Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io/lentefab, lien dans la description de la vidéo. Chaque jour, sur ce site internet, tu peux regarder entre 1 et 5 publicités en cliquant sur « Soutenir ». Et à chaque fois que tu le fais, ça fait 5 centimes pour la chaîne. Et moi, en fin de mois, je fais un tirage au sort et tu peux gagner, si jamais tu as fait ça, 50 centimes en carte cadeau. C'est plutôt cool. Salut les gens, c'est Lentefab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto démo du nouveau challenge qui est arrivé dans la chambre des armes. J'ai nommé Alferg, si je ne dis pas de bêtises. Alors, avant de démarrer, voyons voir un petit peu ce petit Alferg. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Alors, en ce moment, c'est la demi-énergie, je crois, donc profitez-en. Pour 20, on le fait, c'est plutôt cool. Alors, complétez la quête, vous aurez Ragnarok, qui est une épée absolument géniale. Une seule main, grande épée, une seule main, c'est une épée, effectivement. Attaque 145, et surtout avec un skill plutôt intéressant, évasion magique 20% et augmente la résistance à la glace 50%. C'est très très bon, c'est situationnel, mais c'est très bon. Si vous le tuez en moins de 30 tours, c'est ce qu'on va faire, 2 tickets, c'est bon. On va faire des dommages de glace, de vent, de terre et de ténèbres 2 fois pour avoir le Trustmoogle. Et on va invoquer Ramu et Titan pour avoir Shadow Warrior. Shadow Warrior est un skill qui augmente de 30% les HP en passif et 30% d'ignorer les fatales dommages quand les HP descendent au-dessous de 60%. C'est pas hyper intéressant non plus, c'est dommage qu'il n'ait pas été un peu mieux ce skill là, mais bon. Alferg, alors notre petit ami Alferg, voilà, c'est un plante, c'est une sorte de lichen monstrueux, aquatique, plante. Non, c'est un aquatique pierre, voilà. Level 99, 17 millions d'HP, 30 000 MP, attaque 500, magique 500, défense 500, psy plus 300, donc c'est on va taper sur la psy, donc on va taper en magique. Sa deuxième forme, on ne la verra pas, mais bon, concrètement, il sera encore plus fort en deuxième forme, voilà. Résistance élémentaire, on peut voir qu'effectivement, il va absorber les dégâts d'eau, donc potentiellement, il va taper aussi à l'eau, ça c'est clair. C'est une pierre, donc il a plus 50% de résistance élémentaire à la terre, plus 50% de résistance élémentaire aux ténèbres, ce qui semble logique, parce que c'est une sorte quand même de méchant démon. Au niveau des altérations d'état, on ne peut rien lui faire, et par contre, on peut le break à la défense et à la psy, et on ne peut pas le break, pardon, défense et à la psy, par contre, on peut le break à l'attaque et à la magie. Et il a plus 50% de résistance plus 50% non élémentale résistance. Donc si vous le tapez sans résistance élémentaire, si vous le tapez à autre chose que feu, vent, etc., résultat des courses, vous allez vous payer 50% de résistance élémentaire supplémentaire. C'est pattern, on verra ça plus tard pendant le boss. Allez, on va dans la chambre des armes. C'est effectivement le dernier endroit, vous allez le trouver ici. Paf, souhaitez-vous l'affronter? J'ai du mal aujourd'hui, hein. Oui, bien sûr qu'on souhaite l'affronter. Alors, qui on va utiliser? Alors, notez bien les chimères. Alors, celles qui sont importantes, c'est Eiko avec notre ami Ramu. Titan sur notre ami, vous l'aurez compris, hein, lui là, Willem, voilà. Sur notre ami Barbaricia, on a mis Léviathan. Et sur les autres, on s'en fout un petit peu. Comment ils sont équipés? Eiko va nous servir simplement. Ils portent des rubans ou des choses pour les immuniser. Maintenant, c'est un peu le standing, hein. C'est clair qu'il nous faut des trucs pour immuniser, parce que sinon, ça nous fait chier. En gros, je vais donner de quoi augmenter sa limite burst assez rapidement, et des PV et de la psy, très important. Lui, il est en build 100% esquive, avec effectivement son équivalent ruban qui est ici. Donc voilà, 100% build esquive. Lui, il va simplement nous servir à taper avec son skill de glace, qui est ici. Et en fait, comme il a deux armes, il va taper deux fois. Tac, sphère de glace. Et ça va nous permettre, grâce au sabre du lion, de faire glace, vent, terre et ténèbres. Ça tombe bien, c'est pile poil la quête. On le fait taper deux fois et puis tout va bien. Lui, c'est pareil, discernement pour être protégé aux altérations d'état et le reste de la psy et des PV. Elle va vraiment pareil, elle a le plateau métal machin, c'est juste pour la protéger d'altération d'état. Ensuite, elle a de quoi augmenter sa limite burst le plus vite possible. Voilà, c'est plutôt intéressant. Je vais d'ailleurs mettre une autre ignorance, si je dis pas de bêtises, comme ça au moins on pourra augmenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, voilà, 12, voilà, c'est très bien. On va pouvoir aller faire ça. Ensuite, Folka, elle va vraiment avoir le plus de psy possible et le plus de PV et de PM. C'est simplement pour spam certains skills. Vous allez voir, elle a de la protection d'eau, elle a des choses plutôt intéressantes, les amis. Elle, ça va être vraiment notre DPS majeur. Elle a son bracelet de Barbaricia pour faire, pour piquer, hein, voilà, pour augmenter ses dommages sur certaines aptitudes. Mais surtout, elle a aussi sa Trust Masterise ici, son esprit de Barbaricia. Et elle porte bien sûr Léviathan pour faire mal en aquatique et en aquatique plus. Voilà. Derrière, lui va nous servir à faire du sustain, c'est-à-dire de la défense lors de certaines phases de threshold. Voilà, vous voyez comment il est équipé, surtout avec le ruban. Et lui va vraiment nous servir à passer le dernier threshold, les 20% qui vont être insane et faire très 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 mal. Mais bon, ça, on le verra plus tard. Allez, c'est parti les amis, on commence ce petit boss. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, concrètement, Lead, elle va toujours briquer. Donc, on va pas se prendre la tête, on va démarrer avec Lead. On va faire un premier break intéressant, attaque magie. Pouf, voilà, tranquille, ni plus ni moins. Folka, elle va protéger tout le monde ici grâce à l'augmentation de la résistance écoulement qui a augmenté la résistance à la paralysie, machin, machin. La réduction d'attaque et la magie pour tous les alliés. Tac, voilà, tac, voilà. Et la réduction de la def et de la psy. Effectivement, j'aurais pu ne pas builder les rubans sur tout le monde, etc. Mais je le fais quand même, les amis. Je le fais quand même parce que ça me permet d'être tranquille au cas où il y a une couille. Willem, chance de prendre temporairement les dégâts physiques en l'état. Et bien, c'est cool, voilà. Willem, en fait, il va faire... voilà, il a une rotation. Folka aussi, il a une rotation. Et elle, ben, simplement, elle va faire la grâce de Madeleine machin, là. En gros, ça permet d'augmenter la résistance à plein de choses, mais surtout remplir la chimère, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, là, on sera tranquille. Et lui, bah, va simplement faire son attaque de sphère de glace pour... voilà, vous avez vu, il va nous permettre de faire la quête. Donc là, c'est notre ami Willem qui prend les dommages, c'est très bien. Et tout se passe bien jusqu'à présent, c'est parfait. Voilà. Grâce à la petite Folka, tout de suite, la petite Folka qui est ici, elle va faire effectivement donc le cercle des profondeurs ici, qui restaure les PV, mais surtout augmente la résistance à l'eau, et elle va faire restaure les HP, mais surtout diminue les dégâts magiques. Voilà, paf, c'est très intéressant. Avec Lead, on va pas faire grand chose, les amis, puisque on vient de break. Je veux simplement tranquille, voilà, Lead. Là, avec elle, je vais continuer à... Alors, restaure les PM et remplir la jauge d'appel pour tous les alliés, sauf pour le lanceur. Tac, voilà. Hop, on remplit la jauge d'appel, hein, les amis, c'est très intéressant. Willem, tour 2, là, c'est imprenable. Tac. Et Noctis, simplement, on répète le coup qu'on avait juste avant pour faire... Voilà. Donc là, on devrait être assez protégé pour passer tranquillement. Voilà, donc là, on ne va pas prendre de dommages. C'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. Hein. On n'est pas à l'abri, mais voilà. Normalement, on peut tanker assez facilement. Pas de souci. Alors, c'est un boss qui, quand on l'a bien compris, n'est pas très, très compliqué. Cependant, il faut quand même un bon stuff pour le passer, comme d'habitude. Alors là, je vais changer, puisque finalement, je n'ai plus besoin de Noctis. Je vais pouvoir prendre mon ami Barbaricia. Voilà, et là avec Barbaricia, tout de suite, on va faire le mur cyclonique pour diminuer de 120% la résistance à la foudre. Vous allez voir, cet ami, voilà. Donc là pour l'instant, il prend rien, c'est normal, puisque voilà. Mais par contre, il a pris quand même de la résistance à la foudre et au vent. Voilà, enlever sa résistance à la foudre et au vent. Voilà. Alors, derrière, notre ami Lead, on est au tour 3. Pour rappel, on n'a pas briqué depuis 2 tours. Donc là, on va faire la super analyse, on va rebriquer. Voilà, simplement. Là, avec Willem, les amis, pour l'instant, je ne fais rien. Là, par contre, je vais continuer à augmenter la jauge d'appel. Hop, voilà. Donc, Willem peut faire Titan. C'est très bien. Et là, avec notre petite copine qui est ici, je vais continuer à protéger contre le charme.
ici et contre le stop. Voilà, silence, réduction, def et psi. Comme ça, du coup, Barbariccia non plus n'aura pas de réduction et elle sera tranquille pour passer. Donc là, vous voyez, ça se passe plutôt bien. On n'a pas... personne nous fait mal. Tout va bien jusqu'à présent. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, les amis, c'est très bien. Voilà. Lead, il faut vraiment qu'elle break tous les deux tours, à peu près. Donc comme ça, on est tranquille après. Alors, tac. Donc, lead, on n'a rien besoin de faire. Folka, on est tour 4. Donc, tour 4, on va continuer. Le cercle des profondeurs avec la barrière céruléenne. Donc, on augmente la résistance magique élémentaire contre l'eau et on augmente, on réduit les dégâts magiques. Willem, on arrive au premier au tour 1, on refait l'Empire nous protège, on protège tout le monde. Et là, ici, on va faire la prière de soins pour augmenter la jauge. Comme ça, on est quasiment bon. Avec elle, on va simplement faire la tempête imminente qui nous permet en fait de lancer le triple magie sur le tour d'après. Et ça va être bien. Hop, je peux vous dire que notre ami Alferg va prendre grave la sauce tomate. Mais il ne faut pas aller trop vite quand même, puisque dans tous les cas, il faut effectivement avoir les deux chimères faites avant de passer à la suite. Voilà. Donc là, on arrive au tour 4, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire au tour 4? Bah, on va breaker comme il faut avec lead. Oui. 5, pardon, tour 5. Tour 5, on break correctement avec lead. Voilà, hop. Avec Folka, 1, 2, 3, 4, 5, je reviens au premier tour. Donc, comme je reviens au premier tour, bah, je refais effectivement ça. Vous voyez que ça passe très, très, très bien. Alors, tour 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme si j'étais au tour 2. Donc là, je mets ça. Voilà. Et là, elle va être capable de faire triple magie noire. Et là, vent rageur. Et le vent rageur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ses dégâts à chaque fois. Donc là, clairement, vous voyez, il a déjà pris 9%. C'est plutôt très, très intéressant, les amis. Alors, la jauge d'appel ici, on va la continuer. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Là, lui, il n'est pas content. Il va essayer de nous faire mal. Il nous fait un peu mal, mais tout va bien. Jusqu'ici, ça va plutôt pas mal. Alors, Eiko, maintenant, va pouvoir faire... Vous avez vu qu'on a briqué au tour d'avant, mais que là, du coup, ça, on a une pluie de... C'est très bien. Une pluie de consommation. Ça, c'est plutôt cool. On a briqué au tour d'avant avec lead. Donc, ça, c'est bon. Folka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on revient au tour 6. Donc, tour 6, les amis, c'est la résistance élémentaire. Et ça, ici, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va faire Ramu. Ok, voilà. Très bien. Avec Barbie, et eh ben là, par contre, Barbie, vous allez voir, elle ne va pas être contente du tout. Par contre, là, du coup, je vais peut-être augmenter... comment je vais faire? Tiens, je vais protéger... Je vais me protéger, là, parce que là, effectivement, ça va commencer à faire mal en magie, etc. Là, par contre, je fais recharger. Et vous allez voir que là, le pourcentage va ne pas évoluer, puisqu'effectivement, il s'est mis en protection, ce con. J'avais oublié ce détail-là. Mais bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait. Là, du coup, je change, j'ai plus besoin de Ico. Je vais passer avec CG Nicole pour aller vraiment vers de la protection totale. Et là, avec CG Nicole, je me prends pas la tête. Je mets de la protection vraiment de haut niveau. Donc là, c'est une protection ici, tac, et une protection ici. Comme ça, j'augmente les stats de tout le monde et je ne me prends pas la tête. Allez, tour 7, je refais un break qui va bien ici. Lui continue à être, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est comme le tour 1. Tour 1, donc on a dit hop, ici. Et tour 1, je continue à remettre mes protections, puisque, effectivement, il faut se protéger correctement, les amis. Hein. Voilà. Là, la répétition, la triple magie. Le vent rageur va arriver à son maximum. Donc, clairement, le prochain tour, il va se prendre une grosse rouste. Et ça, c'est très bien.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas compter, les amis, je vous jure, je ne sais pas compter. Donc là, c'est équivalent au deuxième tour, les amis. Et oui, deuxième tour. Alors, deuxième tour, on a dit, tac, on continue. Hop, ici, et la protection magique, barrière. On a breaké avec elle le tour d'avant, donc ça va bien. Cependant, dans le doute, je veux quand même remettre un petit break. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La deuxième tour, ça correspond à ça. Et là, bah, clairement, qu'est-ce qu'on a ? Eh bah, bien, on va lui faire la magie noire avec le double vent rageur. Et là, vous allez voir que normalement, bah, il prend cher. Il prend très très cher. Il prend très très cher, c'est normal. Là, on avait donc... on avait ce qu'il fallait. Je vais quand même augmenter les résistances élémentaires à pas mal de choses. Foudre, glace, eau... non, ténèbres, lumière, non, je m'en fiche. Donc là, on va continuer voilà, tranquillement. On régène les PV. Pardon, on régène... hop. Voilà. Je vais garder la suite pour le gros threshold. Je vais garder la suite, vraiment les gros skills pour le très gros threshold. Comme ça, on sera tranquille. On sera bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. On continue. C'est très bien. Voilà, tour 9. Je peux breaker. Je peux breaker tour 9. Allez, hop. Et là, je recommence à 0, tour 9. Tac, tac. OK. Et là, histoire de faire un peu de dommages supplémentaires, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller chercher le skill à 120. Voilà, pour vraiment booster la miss là. Regardez, 2500 de magie. Elle va faire des dommages monstrueux avec son vent rageur. C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier tour. Donc pour ce dernier tour ici, on est tranquille, on va se protéger, hein, comme ça, voilà, pépère. Voilà. Donc là, il va faire corail de foudre, il va essayer de faire mal à tout le monde, mais voilà, tout le monde va bien, puisque on est bien protégé, on a vraiment du lourd en termes de dommages, donc tout va bien. Barbaricial va directement faire ce qu'elle sait faire. Cependant là, ce petit con s'est déjà reprotégé, mais c'est pas très grave, hein. On va pas se prendre la tête, hein. On va attendre avec elle. Je vais tout de suite rebriquer parce que j'ai envie de briquer tout le temps. Allez, tac, là, hop, et hop, voilà. Vous refaites toujours la même chose, les amis, hein. Y a pas de grand secret, hein. On n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Tour 10, c'est comme le tour 1, donc on protège. Voilà. Allez. Vous allez voir, ça va le faire. Alors, est-ce que là, on a encore des résistances aux attaques ? Il fait un peu chier, ce con, hein, hein ? Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Alors, ce que j'aurais pu faire de plus intelligent, effectivement, comme là, il est bloqué, c'est faire le debuff à 120% pour le faire plus mal, et ensuite avoir les triple cast derrière. Mais bon, c'est pas très grave, ça n'est pas la fin du monde. Tour 11, alors, tour 11 ici, on a briqué au tour d'avant, c'est très bien, je vais rebriquer. Allez, hop. Je sais que c'est inutile, je sais, mais moi, 11, c'est comme le tour 1, donc on revient ici, hop, et hop, tac, voilà, et là, on fait ça, tac, et là, ben on va quand même remettre un peu de PV pour tout le monde, parce que notre ami Nicole, là, il est un peu en rade quand même, hein. Voilà, on reprend un peu quand même, parce qu'il a pris un peu cher, mais tout va bien. Tout va bien. Ah là voilà, il n'a plus de résistance. Donc là, on va commencer à lui péter, à lui bien lui péter la gueule. Ça va lui faire tout drôle, la stamina.
Hop. Allez, merci beaucoup. Alors là, je vais breaker. Et là, tout de suite, je vais lui faire le vent rageur x2. Et là, normalement, avec le boost que notre ami a mis, ça devrait faire mal. Tac, 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 tac. Tour 12, c'est comme le 2. Donc, on va être là et là. Ok, et Willem, il récupère tout le monde. Donc on a 40%, 49%, on change de phase. C'est très bien. C'est très bien, 49%, on change de phase. C'est là où normalement notre ami va nous faire mal, mais on est bien protégé. Donc jusque-là, ça devrait le faire. C'est parfait. C'est parfait. On est très bien protégé. Ça a été une très bonne décision. Là, je rebreak un petit coup pour être tranquille. Avec la Barbie, je vais faire le double vent rageur. Alors attention, si je passe les 20%, c'est pas bon. Donc je vais essayer de voir de ne pas passer. Ok, je ne vais pas passer les 20%. C'est parfait, c'est très bien. Donc là, je vais mettre on va dire la totale pour que les tours d'après, je sois tranquille. Oh putain, je manque de PV. Alors là. Je manque de PM. 1, 2, 3. Ça, c'est comme le premier tour. Par contre, là, il va falloir gagner un peu de PM. PV de tous les alliés. Alors, donc là, on va remettre un peu de PM à tout le monde, les amis, quand même. Parce que. Alors, je vais faire la résistance au stop. Et je vais remettre des PM. Parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, très bien. Et là, c'est lui qui va en fait. Celle-là et la 145. En fait, là, on va vraiment faire une méga protection de zone. Mais vraiment. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tour 1. Alors là, concrètement, on va simplement faire une muraille pour que tout le monde soit protégé contre la défense. Parce que, effectivement. On ne sait pas ce qui peut se passer. Là, il va mettre la pression, il va essayer de nous faire mal. Il va nous faire mal, c'est sûr, mais c'est pas grave. Allez, super, tout est bien. On échange, et là, c'est là que Awaken Rain va rentrer en jeu. Tac. Le petit Awaken Rain, là, il va avoir besoin de, effectivement, la protection contre l'eau et la protection magique. Là, on break à 79%. Pour être tranquille, lui, il va faire l'imprenable. Lui, il va faire le mur d'énergie. Et c'est là où Barbie, elle va envoyer le steak avec le vent rageur. Et normalement, le tour d'après, voilà, hop. Donc là, 19%. Donc là, oui, regardez un peu le dommage qu'il prend. Waouh! Il n'est pas mort, mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment. Limite de chez limite, les amis, puisque là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, c'est impair, c'est comme le tour 1. Donc, on remet, allez, on repart ici, on repart ici, voilà, tac. Ok, voilà. Alors, est-ce qu'on a le droit? Là, je remets un coup de vent rageur, 1 et 2. Pour être tranquille, hop, j'espère que je vais le tuer. Et oui, là, oui, voilà, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Alors, tac, donc, appeler Ramu et Titan, on l'a fait. Infliger dégâts de glace, vent, terre, ténèbres, de reprise, on l'a fait. En moins de 30 tours, on l'a fait. 15 tours, c'est la moitié. Donc voilà, c'est parfait, on a tout finalisé. Donc, il faut que ce soit vraiment bien maîtrisé. Vous voyez que là, c'est plutôt facile quand c'est bien timé. Le dernier morceau qui fait mal, c'est vraiment le 20% qui arrive et qui vous pète la gueule de façon très très méchante à la fin. Donc il faut absolument mettre Awaken Rain. Et surtout, ne mettez pas le physique et le magique en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que quand même Willem arrête de faire la protection de zone. Pour que Awaken Rain puisse faire sa protection de zone magique. Sinon, ça ne marche pas les deux ensemble. Voilà.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'infos sur ce boss, j'espère que vous arriverez à le passer en tout cas. Et vous savez que maintenant les partages Facebook, alors certes ça ne fonctionne pas pour la chambre des armes parce qu'il n'y a pas d'amis, mais les partages Facebook remarchent, donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.